c'est la même promesse là, on a demandé tout le monde pour y offrir mes téléphones ou bien mettre y sous vibration. L'évangile aujourd'hui a demandé pour nous aimer. Pas n'importe qui nous non, demandez pour nous aimer, pour qui raille nous, pour qui aime nous, pour qui pas aimer nous. Nous tous qui la comprennent, ça c'est un beau travail, ça y est. Maman d'aime tout pour nous réfléchir sur le même ça pendant la campagne pour nous accueillir, célébrer la messe. Thank you.
Il voit souvent entrer dans toute moelle la vie et l'écraser des miracles qui empêchaient la vie de ouvrir. Je dis à nous demander débarrasser l'esprit, débarrasser le cœur dans toute barrière pour nous prendre à aimer même Jean-Vert. Mon Dieu Papa, pas quitter de faire les cadeaux, pas quitter de chercher les vols, pas quitter de trahir personne. Mais bon, nous l'Esprit Saint, pour nous oublier tête nous pour l'autre, pour nous finir à toute cause abus, à tout ça qui est capable de division, le mi-temps, comme ça, c'est d'après René Roland qui, dans le cœur, il va agir. Par pouvoir Jésus-Christ, son père, nous mettez tout, les vivants, les rois, les bons dieux, ensemble avec nous, ensemble avec l'Esprit Saint, pour nous y aller pour tout. Chacun selon sa justice et sa fidélité.
Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Mais même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour que leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche passé, Jésus demandait pas garder la vie même chose avec la société qui m'a péché. Depuis Jésus fini, pays côté bon Dieu, l'inamita en nous. Et nous rappelons le prédicateur, Père Brenville, lui-même côté. Il t'a montré nous l'importance parole là dans la vie nous comme chrétiens. Et ces mêmes gens, théologiens eux-mêmes, ils ont toujours avancé. Ils ont toujours dit que le royaume de Dieu, c'est le déjà là, mais le pas encore. Pour qui ça? Ils ont venu avec des sables. C'est juste pour montrer nous qui gens. Le fait que Jésus-Christ lui-même était mort sous quoi pour effacer le péché nous. Nous sommes capables de dire que le pays côté bon Dieu, le royaume, il est là déjà, il est établi déjà. Mais il n'est pas qu'on finit d'établir net, parce que jour que je dis à Frère Maxime, moi-même, et nous tous les chacun qui là, nous toujours à faire péché. Et c'est pour raison ça que les théologiens eux-mêmes disent que le royaume, c'est le déjà là, mais il n'est pas encore. Jésus lui-même, il est venu pour Silaïo qui fait encore petit. Pour Silaïo même qui reconnaît faiblesse, reconnaît iniquité, reconnaît bassesse. Et Jésus lui-même est venu
pour nous-mêmes en retour, pour qu'à jeune délivrance. Pour ça, qu'à prier, qu'à jeune cœur content. Et pour ceux-là même qui pensaient qu'ils ont fini rêver, pour qu'ils soient capables de retourner, pour faire expérience. Et dans la même direction, ça, je dis, Jésus a continué à montrer pour ses rapports, nous accrocher, nous aller plus loin. Parce qu'en plus, il faut action, il est facile. Oui, ma mère nous dit, moi, j'aime mon Dieu, mais le monde qui a vu beaucoup de temps, moi, j'aime. Et nous, à travers la parole, bon Dieu, pour aujourd'hui, surtout la première lecture là, et puis dans l'évangile là, nous, parole bon Dieu a dit nous, remets l'ennemi nous. Fais bien pour le monde qui a persécuté nous. Ce n'est pas facile, il faut faire attention. Et là, nous dit ça, il faut faire attention, ce n'est pas une bagaille en l'air, mais son bagaille, nous, avec nous, nous vivons. Le texte biblique de ce dimanche nous montre un chemin de conversion. Nous vivons dans un monde où beaucoup ne pensent qu'à se faire justice. Parce que le monde n'a vu la femme Axamio, nous, et en plus, nous avons tendance pour faire tête de justice. Et ils ont toujours voulu employer la loi d'Italion, un pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, nous recevons des appels à refuser la vengeance et à faire miséricorde. Nous devons refuser pour nous faire vengeance pour Axamio, mais c'est cœur sensible pour nous gagner, même j'ai avec mon Dieu qui est là. Et nous avons la première lecture là. Côté Wassaïl lui-même a eu un problème avec serviteur David. Mais bon Dieu déballe David une occasion pour lui dire qu'il tirer revanche. Et nous, David lui-même, il n'a pas tiré revanche sur Wassaïl. Côté il a dit que Wassaïl lui-même, c'est bon Dieu comme là qui choisit. Revanche femme action, il n'est pas mené dans aucun côté. Et je ne veux dire, elle a regardé le pays, non. Elle a regardé le monde, là, femme action, c'est revanche à faire et ça fait nous, le monde dans lui-même, lui, aller dans le décrescendo. C'est comme si c'est de mal en pile calé. Et je dis, nous, parole bon Dieu, lui-même, lui dit non. Il fait appel à nous-mêmes pour nous refuser vengeance, mais pour nous faire miséricorde. C'est ce témoignage que nous trouvons dans la première lecture. C'était au cours d'une guerre entre Saül et son concurrent David. Saül était très jaloux et cherchait à éliminer David. Mais David aurait pu se venger, mais il sut refuser. Parce que d'y refuser, il dit qu'il ne peut pas faire vengeance. Il n'a pas voulu porter la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Parce qu'en pile fois, Femme Axamio, nos frères, nous bien sœurs, leur nous faire revanche, Femme Axamio, son bagage qui allait de père en fils, et son bagage qui va jamais finir. On ne peut qu'admirer cette noblesse de David, alors qu'il ne connaissait pas la loi d'amour du Christ. Parce que le roi David lui-même, Jésus-Christ n'a pas parlé de loi d'amour, là, il n'est pas trop là. Jésus lui-même, en tant que petit bon Dieu, pas trop là, mais Jésus en tant que bon Dieu, il n'a pas oublié le nom libre. Le prologue de Saint-Jean, il dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et là, nous prenons le même prologue, là, le chapitre 1er, le verset 4, il dit que la parole s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et le même Jean, chapitre 10, verset 30, il dit, moi et mon père, nous sommes prêts. Oui, mais avec papa, nous faisons seul. Il y a eu le respect de son ennemi sans défense. Et ce récit, frères et sœurs bien-aimés, nous interpelle. Il nous montre qu'en refusant la vengeance, on brise le cycle de la violence. Leur refuser de faire vengeance pour Axomio, c'est si violence-là ou abaisser. Parce que Femme Axomio, en pile fois, nous qu'on a cherché moyen pour nous tirer vers le monde, et
En pile fois, tout c'est monde qui était derrière, qui paye pour casser, qui paye conséquences là. Parce que son bagage qui indéfiniment, son bagage toujours là. Et là, Noël, la première lecture, David a une possibilité pour te faire vengeance, mais il n'a pas de faire lire. Et c'est ça que fait dit. Il nous montre qu'en refusant la vengeance, on brise le cycle de la violence. Et quand on parle de vengeance, frères et sœurs bien-aimés, il est important d'en voir des divers aspects. Tout d'abord, la vengeance, on peut capable de mépris, on peut avoir ironie, on peut avoir calomnie, on peut avoir indifférence. Parce que chaque fois qu'on a une vengeance dans l'esprit, dans la tête, non seulement où sont les gens qui méprisent, où sont les gens qui ironisent, où sont les gens qui parlent mal, qui calomnient, et c'est un monde où indifférent par rapport à l'autre monde. Et c'est pour cette raison qu'on dit, quand on parle de vengeance, il est important d'en voir les divers aspects, comme le mépris, l'ironie, la calomnie, l'indifférence. Tout commence, frères et sœurs bien-aimés, par le regard que nous portons sur ceux et celles qui nous entourent. Parce qu'en pile fois, femme Axamio, monde qui entoure nous, monde que bon Dieu remet là, mettez sous chemin nous, en pile fois, nous prêts pour nous mépriser Mounsayo, pour nous ironiser Mounsayo, pour nous faire calomnie sur Mounsayo, en même temps pour nous montrer nous différents de Mounsayo, et pas oublier nous tout un chacun là, femme Axamio, nous créer à image et à ressemblance de bon Dieu. Et nous se porterons, bon Dieu, remettre là. Parce que si nous-mêmes, nous disons que nous aimons bon Dieu, et en même temps, nous rapprochons nous, nous sommes menteurs, nous y est. Et pas oublier, la lettre que Jean écrit, dans le chapitre 1er, dans le chapitre 1er, verset 4 et suivant, il dit que si le monde dit que nous aimons bon Dieu, ou pas Jean Moya, et puis on dit que nous rapprochons que tout le temps, on va vivre avec nous. Ou son menteur, parce que la vérité parle à vous-même. Parce que vous êtes capable de dire que vous aimez bon Dieu, c'est Jean ou aimez prochain. Parce que même Jean-Paul bon Dieu a dit non, aimez bon Dieu, m'a connu avec aimez prochain. Aimez bon Dieu tant que vous ne pouvez pas, et aimez frère tant que vous aimez tête tout. Et l'évangile que nous venons d'écouter, frères et sœurs bien-aimés, nous montre le chemin. Il nous parle de miséricorde. Parce que une fois, femme Axamio, nous prions, nous prions personnellement devant mon Dieu comme être là, devant Jésus-Christ, nous toujours demandons pour le miséricorde pour nous, pour le pitié pour nous, pour le faire par nous. Mais là où frère nous, mais on sœur nous, fait un bagage qui mal, nous refuser pardonner. Et en pile fois, nous servons avec le proverbe ça, qui dit tout temps dit les têtes, pas tomber sur le sang, pas plaguer tel. Et si bon Dieu comme être là, si Jésus-Christ sauveur n'a pas gardé sous sa défaite, sous son défaite, l'apprenons une qui l'a fait action, qui t'a donné grâce bon Dieu. Mais c'est parce que bon Dieu comme être là, la miséricorde, la largesse, la bonté, lui fait par nous. Et qui pisait fait action, chaque fois, il y a un monde qui doit faire nous bagarre qui mal, nous disons pas pardonner de monde ça. Mais là, c'est nous-mêmes qui faisons nous bagarre qui mal, nous disons qu'il faut qu'on ne pardonne pas. Attention, frère Axamio. La prière, notre Père, tout en apprécié et nous allons réciter la messe là. Côté nous dit que papa, pardonnez-moi, même Jean m'a pardonné l'homme là. Attention, frère Axamio. En pile fois, nous, qu'on a passé tête dans le régime. Parce que parole ça, ni moi-même, ni vous-même, en pile fois, nous ne pas mettre en pratique, nous ne pas mettre en application dans la vie. Parce que nous disons, bon Dieu, quand même là, pour pardonner faute nous, même Jean nous pardonne l'autre là. Et pourtant, peut-être qu'il y a nous-mêmes là, il y a 10 ennemis, il y a des gens qui ont 5 ennemis, et même plus. Et il y a des gens qui ont gagné près de 2 ans, 3 ans, 4 ans, même plus, depuis qu'ils ont gagné un monde qui ne dit pas bien avec nous. Et je ne veux dire à Femme Action, il faut nous dire, nous-mêmes qui disons que c'est chrétien, nous-mêmes qui disons que c'est pas de Jésus-Christ, là qui est nous. Est-ce que c'est l'encre Satan ou bien l'encre bon Dieu? Et Jésus-Christ lui-même à travers l'évangile. Jodia, l'invité nous faire action pour nous remettre à l'ennemi, pour nous faire bien pour s'il a qui raille nous.
Pas oublier, nous connaissons que bagage ça est impossible pour nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Mais pas oublier, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous montre le chemin. Jésus nous parle de la miséricorde. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est facile de juger et de critiquer. Pas oublier qu'on pensait qu'il dit non, la critique est aisée, mais elle est difficile. Parce que souvent, femme à mur, pour me porter critique sur le monde, pour me dire, ah, ça a été la fait là, il n'y a pas qu'à faire bien. Et puis, bon, me faire plus mal. Et en pile fois, tout femme à mur, c'est habitude pas, habitude pas, habitude de tout et nous chacun là, nous toujours appelons les doigts sur le monde. Et pas oublier, nous devons nous aider sur le monde, et puis reste sur le monde, faut poser cette question. Vous dites moi-même, quand vous avez droit sur un tel là, qui s'amène, est-ce que je suis bon par série? Et je ne dis pas, parole de bon Dieu, mettez-nous tout un chacun là, à nu devant nous tout un chacun. Et nous-mêmes qui pour analyser pour nous voir, dans qui état nous, dans qui situation nous est. Et nous voyons, l'évangile, je dis à Max Sémio, lui montrer nous, c'est facile de juger et de critiquer, mais si nous regardons notre vie, nous voyons bien que nous aussi, nous sommes des pauvres pécheurs. Nous sommes bien mal placés pour regarder ce qu'on fait les autres. Et nous ne devons jamais oublier que la mesure que nous utilisons pour eux servira aussi pour nous. Mesure ou servir pour frère là, pour soeur là, il y a servi avec elle pour même tout. Et pas oublier, nous connaissons le proverbe créole qui dit nous, l'heure où est comment elle nous prend du fait ou de mettre par la table. Qui donc, même Jean Journée Jodia, ou capable de trouver ou quelqu'un content, et frère ça ou bien sûr ça, qui trouve le problème non. Ou content, ou du content le fait que malheur arrive là. Mais pas oublier, malheur ça qui frère ça ou bien sûr ça, il a privé tout. Pour comprendre ces recommandations de l'évangile, frères et sœurs bien-aimés, c'est vers la croix du Christ qu'il nous faut regarder. Et il faut toujours se rappeler que l'évangile, c'est d'abord le livre de la miséricorde de Dieu. L'évangile, c'est d'abord le livre de la miséricorde de Dieu. C'est en le lisant et en le relisant régulièrement, nous découvrons cette révélation. Tout ce que Jésus a dit et accompli est une expression de cette miséricorde. Parce que nous voyons Jésus lui-même, pendant vie de sous terre, il était pas un pire exemple. Il était montré qui Jean, nous-mêmes chrétiens, pour nous vivre. Si vraiment nous voulons, pour bon Dieu remettre à lui-même, il a pitié pour nous. Il a accueilli les exclus, il a pardonné, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu nous combler de la surabondance de son amour. Et tout cela sans mérite de notre part. Parce que, frère Maxime, nous tous les chacun là, nous sommes capables de nous priver de gloire pour Dieu parce que nous faisons péché. Mais pas oublier, grâce à Jésus-Christ lui-même, nous sommes capables de nous libérer. Mais tout n'a pas été écrit dans ce livre, frères et sœurs bien-aimés. L'évangile de la miséricorde reste un livre ouvert. Il doit être rempli de tous les signes d'amour du Christ. Ces gestes concrets d'amour que nous sommes appelés à donner sont le meilleur témoignage de la miséricorde. Parce que bon Dieu, quand il a dit, c'est cœur sensible, vous est vrai. C'est cœur sensible, vous est vrai. C'est miséricorde, vous est vrai. Mais en pile fois, femme action, c'est plus vengeance qui l'entête nous, qui l'en pense nous. C'est ainsi que nous deviendrons les témoins vivants de l'Évangile. Et nous rappelons Jésus-Christ lui-même, il était dit dans Jean chapitre 13, verset 34 et 35. C'est pour nous une remède l'autre. Le nous remède l'autre, le ça, tout le monde va nous sympathiser. Le ça, tout le monde va nous disciples. Et pas bien formation, nous parlons ça. Il n'y a pas doué, nous parlons machinalement. N'a pas répété. Mais l'action, nous devons montrer le vrai, frère Maxime,
C'est notre amour que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Comment parler de la miséricorde de Dieu si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas? Qui j'aime moi-même, vous-même, et nous tous les chacun qui a parlé de miséricorde, mon Dieu, de qu'est-ce que c'est, mon Dieu? Et pendant ce temps, moi, refuser pardonner frère, mes soeurs, moi, refuser vivre dans les mains. Son amour est de toujours à toujours. Nous dit le psaume 117 et 118. C'est vrai, frères et sœurs bien-aimés, la miséricorde de Dieu est éternelle. Elle ne finit pas, elle ne s'épuise pas, elle ne se fatigue jamais. Mais elle nous rapporte, force et espérance dans les moments d'épreuve. Pas oublier de tout un chèque qui l'a fait, Maxime. La miséricorde de Dieu est capable de porter espoir pour nous. Le moment difficile, nous, le moment épreuve, nous, le moment calamité, nous. Et nous sommes certains que Dieu ne nous abandonne jamais. Et nous devons le remercier pour ce si grand amour qui nous est impossible de comprendre. Dieu a oublié nos péchés. Parce que, frère, c'est en pile foi. Donc, c'est le péché, bon Dieu, comme être là, il passe crayon, il passe gomme sur les frères. Parce que l'idée nous ça très clair, là, livre Proverbe, chapitre 28, verset 13, là, tout le monde qui a fait photo, tout le monde qui connaît le péché, il va y avoir une pardon pour le péché. Et l'idée nous ça dans le livre, pour faire Isaïe, même les péchés, ta rouge, ta sang, ta cramoisi, bon Dieu lui-même, il a pouvoir pour le faire blanc, tant pour autant, tant pour la neige. Mais au seul bagage, mon Dieu, quand même, m'a demandé, chacun là, cœur nous, l'ouvrir cœur nous, frère Maxime, pas quitter aucun bagage, bouleverser cœur nous, comme chrétiens. Parce que deux fois, nous, frère Maxime, nous devons tourner des lumières, nous devons tourner des selles, pour nous capables de créer l'autre, pour nous capables de bailler l'autre, pour l'autre capable d'envie vivre tout, frère Maxime. Parce que nous, très important, en tant que chrétien, en tant que petit bon Dieu, en tant que baptême Jésus-Christ, pour parole ça, que m'attendez, pour nous mettre en pratique, mettre en application dans la vie. Non. En lien avec cet évangile, frères et sœurs bien-aimés, la liturgie nous propose un extrait de la deuxième lettre aux Corinthiens. Saint Paul nous parle du premier et du dernier Adam. Le premier Adam est pétri de terre. Adama, l'éditeur, sorti de terre. Le premier Adam est charnel, est matériel et physique, tandis que le second Adam vient du ciel. C'est Jésus-Christ, il est le spirituel. Entre les deux, la tension est grande. Devant un ennemi, frères et sœurs bien-aimés, le premier réagit avec force et violence, œil pour œil, dent pour dent. Mais nous sommes aussi frères et sœurs du second Adam. Frères et sœurs, dans le Christ, il fait habiter en nous son esprit. C'est cet esprit qui nous pousse à l'amour et nous rend capables d'en vivre. Oui, frère Samio, dans le septième dimanche extraordinaire, année C dans l'église là, en nous demandant Jésus-Christ sauveur, nous t'en prie, pour être capable libérer nous, pour décortiquer tout ça qui est dans la vie nous, comme amertume, comme emportement, comme colère, comme l'orgueil, comme rancune, comme jalousie, comme parler mon mal. On demande le temps pris pour le débarrasser de la vie, nous, la famille, nous, la communauté, nous, côté de vivre, le quartier, nous. On demande de libérer nous de tout le bagage. Et monsieur et certains frères et sœurs, si vous m'avez fait, nous faisons effort, nous changez le temps, nous changez la vie, nous changez le comportement, nous changez l'attitude, nous. J'ai manière, nous mettre sûr, nous mettre certain. L'heure de la prière, mon Dieu, quand mettre là, prière nous va monter et grâce à ça, il va descendre. Amen. Père puissant, Créateur du
programme de révélement, côté nous pral présenter l'intention, nous demandons à bon Dieu comme être là. Nous allons prier spécialement pour l'église là. Et je ne j'en dis à vous connaître, côté l'église lui-même, il frappe en pile. Côté bagarre abuse qui était fait, qui a près de 30 ans, 50 ans et même plus. Côté nous allons l'après, nous allons demander bon Dieu comme être là. Pour être capable d'aider l'église à lui-même, lui retrouver le vrai visage. Il y a. Et nous avons la prière pour le Saint-Père, le Pape François lui-même, qui commençait par une structure dans l'église là. Nous avons la prière pour l'évêque. Nous avons la prière en façon spéciale pour le cardinal Chaun, nous connaissons lui-même au Vatican, qui est responsable de la curie au maintenant, a fait abuse. Chaque côté, chaque pays, il y a un problème ça. Cardinal Romali lui-même, il y a un mot parle pour le dire. Côté de la part de bon Dieu, la responsabilité salbal pour être capable toujours vider la lumière force de l'Esprit Saint dans son vie. Et nous avons la prière pour nous tous et pour nous chacun là. Et nous avons la prière en façon spéciale pour l'écho des jeunes, pour les jeunes, ça y est. Bon Dieu lui-même, il a ouvert l'intelligence, ça qui est en collège, ça qui est en high school, ça qui est en middle school. Nous avons la prière de bon Dieu pour ouvrir l'intelligence et comme ça, pour la vie eux-mêmes, il est capable d'assurer. Et nous avons la prière tout pour faire action. Après chaque intention, on nous chante.
Dieu plein de tendresse, ton Fils Jésus a accompli l'acte d'amour le plus parfait qui soit, celui de pardonner à ses ennemis. Écoute avec bonté tes enfants qui désirent partager la grâce de cet amour. Nous te demandons par Jésus qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
la prie ensemble, bon Dieu, pour ton message, service de l'Église, il y a. Bon Dieu, quand même, bon Dieu, papa, mes payants, mes duveillants qui prennent ton écoissant. Mais nous tous les méchants qui l'a, quand la prie en mieux, la profonde jeune mieux. Comme des coups, nous-mêmes capables d'aimer, mais ça pour nous, la profonde au servant, la profonde au tout et nous chaque qui l'a, en action de grâce. En célébrant avec respect le mystère Seigneur, nous te supplions humblement que les noms offerts pour te glorifier seul à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles, les siècles. Il est grand le mystère de la foi.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, réponds-tu à travers le monde. Fais la grâce de charité avec le pape François, notre dénascadé à jour et tous ceux qui la charité de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont enveloppés dans l'espace de la résurrection et de ton exemple que tu es cette vie sur la lumière auprès de toi. Si nous tous enfin, si nous dépôts, les jeunes, si nous chacun l'Esprit Saint-Seigneur, nous aimons ta bonté, permet qu'avec la vie en jeune, nous sommes vêtus. Si nous avons bien chassé pour les abandonnés de tous les temps, qui ont vécu notre amitié, nous sommes par la vie éternelle et nous chantons ta louange par Jésus-Christ.
bon Dieu grand-mère, bon Dieu papa, nous tout merci pour grâce, pour amour, pour bonté, pour faveur, pour faire nous. Et c'est vous-même qui créez nous, c'est vous-même qui bannons la vie, c'est vous-même qui la santé, et c'est vous-même qui te permettez de réactionner. Pendant le mois de février, et as fait l'anniversaire naissance. Et donc, gros jour pour vous-même. Et demandez autant pour y assister, bah, la lumière force, l'Esprit Saint-là. Servez avec même pour qu'il y ait une bénédiction. Comme ça, dans le foyer, dans la famille, et comme ça, dans l'école. Vous-même, si là, vous jeune qui l'école, demandez autant pour année ça, pour vous intelligence. Faites une vie intelligente dans l'école, et comme ça, pour être capable de joindre à vous dès demain. Et nous la prions tout pour monsieur, pour madame, qui t'a fêté birthday, nous qui t'a fêté soit 20 ans, 30 ans, 50 ans depuis que nous t'ai unis en sacré mariage. Nous demandons autant de bénir, marcher avec eux, assister. Et nous demandons aux bénédictions sur tous les frères, sur toutes les sœurs. C'est comme ça nous la prions. Par pouvoir Jésus-Christ sauver nous petit tôt, les vivants, les rois, les bons dieux, ensemble avec vous, ensemble avec l'Esprit Saint. On y est et pour tout temps. C'est pour Dieu que tu as béni nous. Bienvenue. Lui-même qui papa. Lui-même qui petite là. Et lui-même qui ressuscite. Amen. Maman des familles. Le Seigneur soit avec vous.